Donc aujourd'hui, on est ici en tant que porte-parole du collectif des tours de Chambéry-le-Haut. Et en fait, suite à de nombreuses fois où on a demandé aux élus, à Crystal Habitat, de nous écouter par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment des problèmes maintenant qui concernent la santé des gens, la mise en danger des personnes, avec des maladies, des accidents qui arrivent sur le chantier. On a vu qu'on n'était toujours pas écouté, qu'on n'était pas pris au sérieux, et au contraire, en fait, ils n'arrêtent pas de faire passer le message comme quoi on raconte des mensonges, comme quoi la majorité des gens sont très contents de la rénovation, que tout se passe bien et que c'est encore pour notre confort. Ils n'arrêtent pas de refaire circuler tout ça, véhiculer tout ce message. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes ici au Palais de Justice pour déposer un signalement au procureur de la République. Nous avons fait du porte-à-porte sur 2 jours avec quelques heures, c'est-à-dire au bout de à peu près 5-6 heures de porte-à-porte, même pas. On a quand même réussi à avoir 105 signatures, donc c'est pas rien. En fait, on parle de tout ce qu'on a subi avec les ascenseurs qui sont tout neufs et qui ne fonctionnent déjà pas, le désamiantage qui est fait hors norme, car une protection qui n'est pas complète. On a des trous de 20-30 cm qui ne sont pas protégés, on a des scotch sur les côtés mais rien en haut. Donc toute la poussière, elle retombe dans les paliers, et des paliers, ça repart dans les appartements quand les gens y circulent. On a les coupures d'eau chaude, coupure d'eau froide, d'électricité, comme ça, comme ils veulent, il n'y a pas de souci, on prévient personne, ou sinon ça dure 60 heures, comme la fois où on a eu la coupure d'électricité dans les couloirs et les communs pendant plus de 60 heures, on a été prévenu, personne n'a été prévenu, c'est nous qui avons dû faire le nécessaire, mais rien du tout. Donc les enfants qui criaient, qui hurlaient dans les couloirs, qui se retrouvaient dans le noir quand ils sortaient de l'appartement, c'est nous qui l'avons entendu, c'est nous qui avons vécu tout ça. On a pu constater au début qu'on avait un seul conducteur travaux pour les 2 tours. Donc à force de réclamer, on nous a donné un deuxième conducteur travaux. Mais ces gens-là, ces conducteurs, il faudrait qu'ils parlent je ne sais combien de langues parce qu'il y a tellement d'ouvriers qui viennent de partout d'Europe que forcément, ils ne peuvent pas communiquer. Nous, on ne peut pas communiquer avec eux non plus. Il y a vraiment un problème de ce côté-là, au niveau des ouvriers. Moi, j'ai pu constater aussi qu'il y en avait qui n'avaient ni masque ni lunettes alors qu'ils étaient en train de poncer le béton sur les balcons, par exemple. Et quand on leur dit « vous n'avez pas de lunettes, pas de masque », « ah non, demande, on nous dit toujours demain, demain », et on ne voit rien. Donc, il y a vraiment un souci sur la législation du travail, c'est certain. Ce qui nous révolte en fait de jour en jour, c'est que même quand on arrive en bas de l'immeuble et qu'on voit en fin de journée les artisans assis sur un trottoir ou sur leurs outils de travail qui n'en peuvent plus parce que même l'ascenseur ne marche pas, et par leur témoignage à eux-mêmes, ils disent on comprend mieux les locataires aujourd'hui. Parce que le seul ascenseur qui marchait est tombé en panne aussi. Donc quand ils doivent monter tout le matériel tout en haut plusieurs fois par jour et redescendre, récupérer ne serait-ce qu'un tournevis dans le camion, ils savent que ce n'est pas possible. Donc eux aussi, ils étaient épuisés et on l'a vu avec nos propres yeux, on l'a entendu avec nos oreilles. Et aujourd'hui, on a signalé un peu toutes ces problématiques et c'est un courrier qui fait à peu près 2 pages où à chaque fois, on pose la question à monsieur le procureur, est-ce que cela nécessiterait justement d'être pris en compte ou pas. Gaëtan Fauché, pourquoi on n'a pas de réponse quand on vous demande des questions sur ce sujet-là, des 2 tours? Quand se fait-il qu'on n'a pas de réponse de votre part depuis des jours et des jours? Alors, ça va être une réunion avec les locataires de la tour du Cré de l'Aigle. D'accord. On va avoir une réunion avec les locataires de la tour du Cré de l'Aigle. Et par rapport à la presse, une demande de journaliste pour... Je vous remercie. Pour savoir ce qui se passe dans cette tour. Les élus, ils vont nous répondre quand alors? Monsieur le maire, comment ça se fait que vous ne répondez pas aux habitants du Cré de l'Aigle? C'est par rapport aux rénovations catastrophiques qu'ils ont, aux problèmes catastrophiques qu'ils rencontrent. Comment ça se fait qu'un élu et un spécialiste du logement ne répond pas aux questions des habitants à ce point-là? Ça paraît incroyable. Et vous ne pouvez pas répondre aux questions de la TVNet citoyenne? Enfin, on est un média de Chambéry. Pour vous, c'est pas possible de répondre aux questions? Ni aux habitants, ni à la TVNet citoyenne?
parce qu'il y a des gens en fait qui sont blessés. Il y a des gens qui ont arraché des seuils de porte et tout pour passer tranquillement, parce qu'on a des gens qui ont plus de 70 ans et en fait qui se ramassaient le seuil et qui tombaient, qui se blessaient le pied. Et là, nous on l'a constaté avec nos yeux, on a des vidéos, on a des photos, on a demandé aux personnes de témoigner, ils ont témoigné, donc on a tout ce qu'il faut. Donc quand les élus continuent à nous dire que tout se passe bien et que tout le monde est content majoritairement, on est vraiment encore beaucoup plus déçus, parce qu'en fait on comprend que le message ne va pas passer, on comprend qu'ils ne vont pas nous écouter. Et aujourd'hui on a dit, dans ce cas-là, on va faire un courrier de signalement au procureur de la République, on va expliquer tout ce qu'on vit de tous les jours et que ce sera à eux de juger s'il est nécessaire d'avoir une poursuite judiciaire ou pas. C'était un rendez-vous d'urgence, on va dire ça comme ça, car c'était un ras-le-bol total. L'ascenseur impair qui venait d'être mis en route, il y avait seulement quelques heures, est tombé en panne. Et le deuxième ascenseur pair, en fait, qui marchait pour le temps des travaux de l'impair, était mis en désamiantage. Donc arrivé là avec un ascenseur tout neuf qui tombe en panne juste derrière, tous les locataires en avaient marre. Et en fait, c'est ce qui nous a poussé à faire une réunion d'urgence ce soir-là. C'était un jeudi soir. Et il y a eu la présence de monsieur, d'un élu. Il nous a écoutés, comme tous ceux qui nous ont soi-disant écoutés jusqu'à aujourd'hui. À ce jour-là, on a rien d'autre. Vous n'avez pas eu de suite, voilà. On n'a pas eu de suite, non. On nous a pas fait un communiqué pour nous dire qu'il allait avoir ça ou ça qui allait être communiqué, ou qu'il allait avoir ça comme arrangement. Il n'y a rien eu de cela. Et ce jour-là où on avait fait la réunion, je voudrais le préciser quand même, parce que j'ai eu l'ascensoriste il y a quelques jours de ça. Ils sont là en début de semaine, là, lundi matin. Et il me dit, mais c'est normal que l'ascenseur il tombe en panne. Je lui dis, mais comment ça? Il me dit, pour un ascenseur, il y a à peu près 10 000 vis, 10 000 boulons. Il me dit, vous imaginez, on n'a même pas eu le temps de le mettre en sécurité. On n'a même pas eu le temps de faire assez d'aller-retour pour voir s'il fonctionnait comme il faut. En fait, on a compris que la mise en route de l'ascenseur, elle n'était pas dans les normes, en fait. Et ça, il le dit avec sa bouche. Et il dit, on nous a demandé de faire ça rapidement pour désamianter l'autre et mettre celui-ci en service. Et en fait, c'était ce ras-le-bol-là qui avait fait la réunion d'urgence le jeudi. Les élus, un élu est venu avec responsable de Cristal Habitat. Comme d'habitude, on nous dit qu'on nous écoute, mais derrière, est-ce qu'il y a un changement? Non.